Mes chers diocésains et diocésaines, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une grande joie, beaucoup de joie, que je viens prier avec vous dans cette paroisse emblématique, très bien connue, de Sainte-Marie Goretti, siège national de Tindamisso. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude pour l'accueil que vous me réservez pour ma première visite dans votre paroisse. Je salue votre curé, l'abbé Sylvain Moubikaï, son vicaire, l'ensemble du conseil paroissial et vous tous, fidèles chrétiens et chrétiennes de cette paroisse Sainte-Marie Goretti. Je vous félicite pour les 60 ans de votre existence en tant que paroisse. 60 ans, c'est un âge respectable. Quand un homme et une femme a 60 ans, il inspire le respect, la considération. Cette célébration devrait aussi être l'occasion pour nous de penser collectivement aux pauvres, à ceux qui souffrent au sein de notre communauté, ceux-là qui ne peuvent pas se joindre à la grande communauté pour la célébration d'aujourd'hui. Ils sont restés à la maison ou ils sont empêchés par toutes sortes de difficultés, de soucis, de vicissitudes. Par ailleurs, au cours de cette célébration, je bénirai quelques jubilaires de vie conjugale de votre communauté paroissiale, symbole de votre fidélité au Seigneur à travers la fidélité de quelques couples qui sont ici. L'attention et non l'indifférence aux pauvres est l'enseignement majeur que le texte sacré d'aujourd'hui nous enseigne. Apprendre à être attentif aux autres, attentif à ceux qui souffrent, attentif à ceux qui ont besoin peut-être de ton aide. En effet, depuis le dimanche passé, la parole de Dieu nous avertit sur notre responsabilité d'améliorer la qualité de nos relations avec les autres. La qualité de la vie sociale doit nous préoccuper. L'enseignement du dimanche passé, surtout la première lecture, dénoncer tout agir qui exploite l'homme et ne respecte pas sa dignité d'enfant de Dieu et le réduisant ainsi à un moins que rien. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous invite à être sensibles à la situation de l'autre. Surtout l'autre qui souffre, l'autre qui est dans le besoin et qui probablement aurait apprécié mon intervention.
Les textes sacrés que nous venons d'entendre d'aujourd'hui sont des textes qui condamnent vigoureusement l'indifférence devant la souffrance des autres. Pour que la vie sociale soit réellement épanouissante pour tous, nous trouvons dans la liturgie de la parole de Dieu de ce jour trois orientations majeures pour notre méditation. La première orientation, ou le premier enseignement, n'est jamais chercher à être heureux tout seul. Être heureux tout seul est condamnable. Le bonheur doit être un bonheur collectif. Si je suis heureux et autour de moi, les autres sont tristes et pleurent, ma joie ne servira à rien. Nous devons être heureux ensemble. Nous devons jouir du bonheur ensemble. C'est ensemble que nous devons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est en fait le tableau malheureux que vous présente la première lecture tirée du livre d'Amos, comme le dimanche passé. Amos, dans la première lecture, dénonce deux grandes infidélités à l'alliance avec Dieu. D'un côté, le manque de justice sociale, et de l'autre, le formalisme culturel, ce qu'on pourrait aussi appeler l'hypocrisie religieuse. Ainsi, s'attaquant aux riches, Amos réprouve leur aveuglement et leur insensibilité à la misère flagrante et écœurante du peuple, du petit peuple qui souffre. En effet, les grands riches qui accumulent les richesses et se vautrent dans leur grand divan et se soucient et ne se soucient aucunement de la misère des autres, des pauvres. Comme écrit Amos, ces hommes-là à qui s'adresse toute la nation d'Israël, installés dans votre orgueil, vous vous sentez en sécurité sur la montagne de Samarie. Ils se couchent sur des lits d'ivoire. Ils se prélassent sur leur divan. Ils mangent les agneaux du troupeau et les veaux pris à l'étable. Amos 6, 1 à 4. L'égoïsme est un vice qui paralyse et fragilise l'équilibre de la vie en société. C'est même contraire à l'idéal chrétien qui veut qu'à l'exemple du Christ, chacun se dépouille pour enrichir l'autre. Et Amos, pour les cas de l'injustice sociale, constitue une grosse voix. Et la situation décrite par Amos dans sa prophétie, et particulièrement dans la partie qu'on nous a lue aujourd'hui, fait penser que la situation qui prévalait il y a aujourd'hui plus de 27 siècles, parce que Amos a exercé son ministère
plus ou moins 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Et la situation décrite par Amos, si nous regardons la réalité chez nous, on croirait que Amos est en train de parler de la situation de la République démocratique du Congo. Amos a vécu dans une société où il y avait une certaine prospérité. Seulement, cette prospérité profitait uniquement à ceux qui étaient au pouvoir et aux riches, qui ne se souciaient pas du tout des petits, des pauvres, qui n'avaient aucune valeur pour eux. Et le dimanche passé, nous avions entendu toujours du prophète Amos qu'en Israël, le pauvre ne vaut rien. Il vaut à peine le prix d'une paire de sandales. Le prix d'un pauvre. Ceux qui étaient en situation de pouvoir regardaient le pauvre comme l'escabeau de leurs pieds. Des gens bons à être exploités, des gens bons à être maltraités, parce que nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous a donné la richesse, Dieu nous a donné le pouvoir. Eux, le pauvre, malheur à eux, s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Et c'était la mentalité en Israël. L'enseignement que nous tirons de cette situation, il suffit de regarder autour de nous. Et c'était le premier enseignement, ne jamais chercher à être heureux tout seul. Si tu es heureux et autour de toi, c'est un océan de misère. Les gens souffrent. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Le deuxième enseignement que nous retenons de la parole de Dieu à travers les trois textes d'aujourd'hui, nous devons sortir de l'indifférence ou notre incapacité à voir la souffrance de l'autre. Et dans ce pays, nous avons érigé cette pratique en système. C'est à peine si nous sommes sensibles à la souffrance d'autrui. C'est l'idée essentielle de la parabole du riche et du pauvre Lazare que nous avons entendu dans l'Évangile. Malgré sa souffrance aiguë, malgré ses plaies, il avait des plaies qui couvraient tout le corps, ce pauvre malheureux Lazare. Même les chiens se sont rendus compte que cet homme était misérable. Il était malheureux parce qu'il sentait l'odeur de ses plaies. Les gens bien ne sentent pas comme ça. Ils sentent bien les gens bien portants. Tandis que les misérables, ceux qui sont meurtris par toutes sortes de maladies, sur la peau, évidemment, ils ont une certaine odeur. Les chiens l'ont senti. Le riche, lui, est resté insensible. Et c'est très curieux dans l'Évangile. Le riche, on ne donne pas son nom. Comment il s'appelait. Par contre,
Le pauvre malheureux qui était là a un nom et il s'appelle Lazare. C'est dire toute l'attention que Dieu porte au petit et au misérable. Le petit et le misérable sont les préférés de Dieu. Il les connaît et il fait attention à eux. La preuve qu'il fait attention à eux, il connaît ces pauvres malheureux par son nom. Il s'appelle Lazare. Et le texte nous dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et mangeait royalement tous les jours. Mangeait royalement. Dans ce pays que le Congo s'est réservé à une petite catégorie. Ce n'est pas tout le monde qui mange royalement. Et manger royalement, ça signifie tu as l'embarras de choix. Tu manges comme tu veux, quand tu veux, et le même qui te plaît. C'est manger comme un roi. Manger royalement. Un pauvre, des noms de Lazare, tout couvert d'ulcères, était allongé à côté de sa porte. Il était allongé à côté. Il aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table du riche. Au contraire, ce sont les chiens qui viennent lécher ses ulcères. C'est vrai. Luc 16, 19 à 21. C'est vraiment malheureux de constater que de nos jours, la richesse, même malhonnêtement acquise, et la suffisance sociale aveuglent beaucoup de nos compatriotes, chrétiens ou pas. Très souvent, ce sont des gens qui ont le nom de Jésus, qui prient. Vous le voyez à genoux, le main tendue vers le ciel pour louer le Seigneur. Mais au-delà de ces prières, leur comportement se caractérise par une indifférence révoltante vis-à-vis de la misère de la majorité de notre peuple. Non seulement qu'elles n'agissent pas en faveur du pauvre, elles sont même capables de trouver des prétextes pour ne pas regarder le pauvre, encore moins agir en leur faveur. On est surpris dans notre pays, le Congo, que tous ces gens qui nous dirigent et qui se partagent gracieusement le butin qu'ils considèrent comme le butin de guerre, le patrimoine national, ils se les partagent entre eux. Pourtant, ces gens, parfois, vivent à la cité, passent à travers la cité et voient comment le peuple souffre. Et malgré tout ça, ils continuent à rester indifférents. Tout ce qu'ils savent faire, c'est transférer de millions sur leur compte. Personne ne sait où ça se trouve. Transférer l'argent. L'argent est en train de partir. Alors que le peuple souffre. Tous ces millions dont on vous parle, si on utilisait ça pour payer les enseignants, la gratuité de l'enseignement serait une réalité. Troisième enseignement que nous retenons.
Malgré tout, Dieu est proche de ceux que le monde rejette. Dieu est proche des petits. Dieu est proche des malheureux. À tous ceux qui sont rejetés, à tous ceux qui sont exclus de la table de festin de puissants de ce monde. Et c'est le cas de la majorité de notre peuple qui est aujourd'hui exclu de la table de festin de ceux qui ont la possibilité de puiser dans la caisse de l'État. Dieu lance un message d'espérance et d'encouragement. Dieu est proche d'eux lorsque le psaume 14, 6 nous dit « Vous pouviez bien détruire les espoirs du pauvre, mais le Seigneur est son refuge. » Vous pouvez créer des conditions pour augmenter la souffrance du peuple, mais le Seigneur est son protecteur. Amen. Et son jour viendra. Et ce jour est proche. Parce que le Seigneur n'oublie jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Amen. Et si quand tu vas y aller à l'école, pour y avoir un peu de baisson,
et comité bayanga na ekolo po ya bola kwa bango l'individualisme et si kate ba sala musala pote ba na kongo ba son ba lia ba tonda ba sepela et comité ba kongo ko ba kulia bala misako mokolo moko ba kotonda na biloko zonga de basusu baliaka mokolo na mokolo te basusu baliaka bala moko abibi na tongo ti pokwa akolia bala moko zonga de bakukuna bazali kosakana na biloko yango wana profeta alobi mawa na bato bakofanaka ye o ngomba sinani ngomba sino bafandi kuna nye bakanisi te makambo manso bazali koleka malamu mpo na bango bazali kosepela kasi babosami te bandeko babango basusu bazali kosepela te baye bakokanisaka te bafandi na boboto ongomba ya samaria nzoka nde bana bangai bazali na boboto te bakolobaka mpe bakolalaka ombeto ikembami na pembe ya nzoku i dorme dans des lits d'ivoire. C'est des lits de luxe. Mokola alalakana, mbeto ekembami na nzoku, na pembe ya nzoku, te mokola akolala likolo ya litoko. Mpe awa na Kinshasa, ezali mwa muse, ezali wana, oya bashinwa, ezalaka mpe boye. Moke, otibe na se, olali wana. Okomona bandeko basusu bazali awa mingi mpenza batata okomona ye na ntongo alati bien nini mwa diplomate na maboko ati costume na mbokwa kende kotala esika koboto abalaka wapi wapi inoboko boyebi na salon na salon tala obola kwa biso ya mbowana moto mobola asalaka makambo ya ndenge wana nzoka nde bato batondi na nkita bakopono mbeto oyo ekoki na bango mpe toyoki o eleko ya profeta Amos mbeto na bango ekembami na pembe ya nzoku. Pe bako pe maka o kiti ya monzele. Kiti ya monzele. O ya biso awa te, zamini ya plastike. O ba nani bayera ka biso biloko wa. E uta kwa wa. Na wa ya ba chinois te. Ba libanen. Pe o soko fande ni kiti wana o kema. Soko o zari na mwa mkwa, o zari monene. Kiti wana ekoki mpe kokukana yo wana okweli na se kiti ya babola yango wana bakoliaka bana ba mpata ya etonga ya bango bana ya mpata il mange la meilleure viande le meilleur morceau. Oya makasi makasi wana baliaka te bakomeleke vino okeni na maboko mibale mokola asalaka bongo amelaka na koko ya plastike
bongo na bongo. Tango bazali ko sala bongo, babola bazali ko nyonkwa. Bazali na biloko te. Bazali ko lia te. Elamba ya kolanda na nzoto ezali te. Zambe atondi na kata na komona ko makambo mabe mazali kosalema oteya bana baye alobi yango wana bato wana bazali konyokola bana bangai bakozala bato baliboso molongo mwa baye bakokende opo bokonzi bwa bango bokosila esengo bakanisi te ekoumela esengo ya bango ya lelo ekosila. Zambi na sepeli na makambo bazali kosala te. Ndai nazali nzambe soki boko okati na bino bazali kosepela ezali mabe te kasi epusi malamu te esengo ena ezala pe esengo ya basi. Soki yo moko ozali kosepela nzoka nde basusu bazali kolia se mino esengo ya yo ekoumela te mpe esengo ya yo ekosepelisa nzambe te. Le salut apporté par Jésus-Christ est un salut collectif. Tokosala makasi mpo te biso panso totombwama biso panso tobima na mpasi tobima na bosambulu. Ezali te ete yo moko soki ozwi mwa posibilite obosali mpasi ya baninga mpe okosala manso mpo te yo moko ozala malamu. Ça c'est de l'égoïsme. Yango nde ezali kozongisa ekolo ya biso si. Pele lo nzambe alobi bino babola bino baye kozali konyokwa bokosa na te te nzambe azali na bino ata lelo okanisi te nzambe ayokaka sango ya yo te okanisi te makambo ma yo manso mazali kotambola se mabe makanisi manzambe makeseni mosika na makanisi mabiso bato ata lelo ozali konyokwama yeba te nzambe ayebi yo na nkombo lokola ayebaki Lazare na nkombo mpe toyebi ndenge makambo malazare masukaki awa anyokwami mpe na sukasuka ye moto atondaki na esengo o paradiso nzoka nde moto azalaki kosepela awa omokili moto azalaki koseka baninga bazali konyokwama ye wana na suka ya molongo akomi konyokwama. La spiritualité de Magnificat. Bongo bandeko awa tozali kosepela mibu tuku motoba ya paroisse ya biso paroisse Maria Goretti tosengekata nzambe asembola makanisi ma biso apesa biso motema ngolu lokola ye moko nzambe azali motema pote toyeba kosala mosala pote biso banso tokoka kotombwama tokoka kobima na mpasi tozali na yango lelo tosala lokola bato baisraele oyo eleko ya profeta Amos te moto na moto azali kotala bobele bolamu bwa ye moko totika bizaleli na bibe mpe tosengetata nzambe afungola mayele mabiso afungola mitema ya biso mpo te toyeba komono bandeko tofandi na bango mpe bazali na mpasi
toyoke na bango motema ngolu pe moto ayoke moninga motema ngolu ezali lokola azwi mokano azwi responsabilité omiso manzambe pote asala manson pote pasi ya yo esila awa nayokeli yo motema ngolu na kosala manson pote pasi ya yo esila Tosa la biso banso lokola Nzambe alobaki, tosa la motema ngolu, Nzambe tata wa biso azali motema ngolu. Pe bato ba motema ngolu, bango nde bakoki kosepelisa Nzambe mpo bayokelanaka ngolu oteya bango. Gracia ya Eucharistie ya lelo esalisa biso. Gracia ya jubile. Tozali kosepela lelo na paroisse ya biso esalisa biso mpo ete tokoma bato basika bato bayokelaka baninga ngolu bato bayokaka mpasi ya baninga moninga azali na mpasi nayokeli ye ngolu tosala te lokola emonanoko epai na biso awa bandeko boboto bato basali aksidan kuna na balabala okomona bandeko bakei mbango okanisi te bakei kosalisa bato basali aksidan nzoka nde bakei kosala nini koyiba tala nivo tokomi na yango na ekolo ya biso koko moto asali aksidan asengeli na lisalisi ya yo yo wana okei lisusu koyiba ye Nous avons perdu le sens de l'humain. Lobi, kuna na ngambo ya matete de bonhomme, na communauté ya ba ma sœur, de la sainte famille de Berga, accident et salé matiwa, dépôt ya carburant et joie qui porte. Penda kwa ligati esika. Bato ba ye, pona kusalisa ba yango. Basalisa ki bango? Basote. Basusu ba ye, pona? Yiba. Pe basilisi biloko, ya ba yango, nyen. Mentalite to sali na yango lelo. Na kongo, yango wala. Pe ezali koyokisa biso soni pe ezali koyokisa biso pasi omona te moto atangemi moto akelami na lolenge la nzambe akoma na nivo wana tosambela mpo ya ekolo ya biso mpe tozali kosala makambo mana mpo mitema ya biso ezali mabe ewutaka nde na motema moto soko motema mwa ye mozali molamu te akosala te eloko ya malonga te toyebi koyokelaka baninga ngolu te nzambi ngolu ezali na mitema ya biso te l'indifférence l'insensibilité devant la misère d'autrui devant le malheur d'autrui nous nous distinguons par notre indifférence. Donc, ce que tu attends à me, à ça, il s'agit. Na gracia Eucharistia, na gracia, il y a jubilé, il y a paroisse d'Abino, Zambé, à qui de la biseau est libre, il y a Sika. Après sa biseau maillère, il y a Sika. Après sa biseau mitéma, il y a Sika. Pote toyeba kotika makambo mabe makala mpe toyingela elongo na yesu kristu o eleko ya sika mpo te tokoka kobanda makambo masika na elimo ya sika kasi ekosalema soki nzambe asalisi biso mpo te tozwa mpe mitema ya sika moto azali na matoi makoyoka Ayo.